Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule. Eh bien, pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Un bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message avec l'archange Métatron pour ce jeudi 26 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien.
J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le grenier. C'est le moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Eh bien, cette carte, elle vous demande de quoi êtes-vous prêt à vous défaire pour accéder à votre moi supérieur. Oui, on est dans le grenier et dans le grenier, on entasse, on entasse, on entasse, on entasse. Et puis là, ben, on vous demande de quoi pourriez-vous vous défaire dans ce grenier? Donc, dans le moi supérieur, on vous demande de faire le ménage, n'est-ce pas? Le ménage de vos pensées et de vos souvenirs. À la limite, que retenez-vous depuis trop longtemps? Quelle émotion ressassez-vous sans cesse dans votre tête? Parce que ressasser, vous le faites. On n'a pas besoin de vous l'apprendre. Et ça ne mène à rien. Au fil des dernières années, n'est-ce pas? Vous vous êtes dispersé et vous avez eu du mal à visualiser la route à suivre. On vous invite à reconstruire votre être intérieur afin de sentir filtrer en vous, eh bien, cette belle énergie divine. Vous attendez trop, vous passez votre temps à attendre. Que ce soit après les autres, après une opinion, ou tout simplement une approbation. Mais non, Tim Pip, faites votre propre chemin et cessez de regarder en arrière. C'est bien d'avoir de bons souvenirs, n'est-ce pas? C'est très très bien. Mais il faut vous concentrer sur l'instant présent et sur le travail à faire pour ascensionner dans cette belle lumière. Certains d'entre vous, vous avez certains dons, mais vous craignez de les développer. Eh bien, posez-vous la question, pourquoi? Demandez-vous le pourquoi vous avez peur. Pourquoi? Vous trouverez la réponse en vous, hein? Alors, pour certains d'entre vous, encore une fois, votre chakra du plexus solaire est encombré par, eh bien oui, par vos émotions et on vous invite à harmoniser ce chakra du plexus solaire, le libérer. On vous demande de le libérer du passé. Faites le ménage. Faites le ménage dans vos souvenirs, dans vos pensées, mais et pourquoi pas faites le ménage de votre maison. Et si vous avez un grenier pour certains d'entre vous, eh bien nettoyez-le et débarrassez-vous du surplus. Faites le nettoyage du printemps. Méditez sur vos chakras supérieurs et plus ils s'ouvriront et seront harmonisés, plus vous deviendrez réceptif au monde spirituel. Alignez bien les chakras, méditez, faites le nettoyage, faites le grand nettoyage sur vos pensées, vos émotions, vos souvenirs.
Il y a des souvenirs qui sont très bons et il y a des souvenirs qui ne sont pas bons. Donc, ressasser, 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 ben, c'est pas bon. Voilà. On n'est pas dans une positivité. Alors, je termine hein, avec l'énergie de guérison. Ici et maintenant, n'est-ce pas? Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Voilà, le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je me concentre sur le moment qui est présent là. Hein. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Et là, l'univers sait quand est-ce que vous serez prête. Et à ce moment-là, eh bien, tout vous tombera du ciel. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse tout fort, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, à demain.